monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le président. Jeanne Charmant-Kilman. Je suis chargée d'instruire votre dossier. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Procéder à votre mise en examen pour abus de biens sociaux, abus de confiance, présentation de compte inexact. Bonjour, madame, il est 9h30 et c'est une perquisition. Pourquoi vous acharnez-vous après moi? Vous êtes le numéro 1 du groupe, monsieur le président. Alors, c'est normal, vous ouvrez le bal. Et puis après, j'interrogerai le numéro 2, puis le numéro 3, puis ainsi de suite. Vous habillez une femme de la tête aux pieds et vous connaissez pas le prix. Je suis désolée, madame, c'est pas de ma faute si votre mari a une double vie. Vous êtes ignoble. Je connais qui ont fait des choses autrement plus graves que moi. Cette juge d'instruction infernale, elle va continuer à nous chercher des poux. Ils ont trafiqué les frais à la direction. T'es folle. Ben, je suis peut-être folle, mais j'irai jusqu'au bout. Regarde-nous, on est deux fantômes qui se croisent de temps en temps dans un appartement surveillé. Je suis qui pour toi? Je suis qui? Tous laissez tomber. Tous ces intelligents du service. Cette juge n'est pas possible. Elle ne comprend rien à la règle du jeu. Ce ne sont pas mes amis, j'ai rien à voir avec ces combines. J'ai une nouvelle pas grave, jeune. C'est ton mari. Je te conseille de prendre un peu de vacances. Je veux absolument pas que tu aies de problème. Pour ta prime, je ferai le nécessaire. Achète-toi une paire de couilles avec. De toute façon, je renoncerai jamais. Ça va pas se passer comme ça. Jeanne. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on dit que le juge d'instruction est l'être le plus puissant de France ?